Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Lokis, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tout simplement je vais vous montrer comment obtenir la bêta du nouveau Call of Duty, donc World War 2, qui va prochainement sortir là bientôt. Et comme vous savez c'est le deuxième week-end de la bêta, mais il est encore privé. Donc je vais faire profiter un peu tous ceux qui n'ont pas profité du premier week-end, donc qui ne peuvent pas avoir la bêta privée parce que tout simplement ils n'ont pas précommandé le jeu. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc pour commencer il va falloir créer un nouveau compte, donc faire exactement comme moi dans la vidéo. Voilà, donc faire première visite sur PlayStation Network, créer un compte, enfin bref, je pense que vous savez comment faire pour créer un nouvel utilisateur. Il va vraiment falloir faire comme moi dans la vidéo, sinon ça ne marchera pas. Donc là on va attendre le chargement. Voilà, donc faire s'inscrire maintenant. Donc suivant. Donc c'est là que devient le plus compliqué. Donc il va falloir choisir la pays ou région. Donc il va falloir faire comme dans la vidéo, mettre Hong Kong. En langage, donc English. Donc date de votre anniversaire, vous mettez vraiment n'importe quoi, c'est vraiment des choses que vous pouvez remplir inutilement, donc sans mettre des vrais trucs, sans mettre de vraies informations. Et donc là par contre ne pas mettre n'importe quoi, donc dans district mettre Hong Kong pardon, et dans city Kong. Next. Donc là pour l'adresse email, je vous conseille de mettre une adresse email Yopmail, donc c'est une adresse email jetable que vous pouvez créer directement sur leur site. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation et ça évite de créer une adresse email Gmail ou autre qui vous prendra beaucoup plus de temps, alors que là c'est juste vraiment pour télécharger un contenu sur un compte que vous jouerez jamais. Donc pour ma part j'ai utilisé une adresse email Yopmail. Bon là je me suis trompé dans la vidéo, j'avais mis Gmail. Donc après vous mettez un mot de passe, donc je pense que je ferai un petit accéléré dans la vidéo pour pas que ça vous prenne trop de temps. Donc là vous allez remplir votre ID online, donc votre nom d'utilisateur, donc vous mettez vraiment n'importe quoi, c'est vraiment histoire de créer le compte pour pouvoir télécharger cette bêta qui est juste accessible gratuitement à Hong Kong. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Hong Kong comme city, donc comme ville. Donc là vous allez faire confirme. Confirme encore après. Et encore confirme. Donc là vous allez faire accept. Et c'est là où je vais vous... Ou comment dire, je vais faire une petite accélération parce que j'ai mis un peu de temps à vérifier l'adresse email. Et voilà, donc je viens de vérifier l'adresse email. Donc là, vous allez faire 12 easy-letters partout. Pas besoin de rentrer de numéro, de téléphone ou quoi, vous faites 12 easy letters, pareil 12 easy letters. Donc une fois arrivé ici, voilà, vous allez faire skip, ignorer. Et voilà, donc dans la deuxième partie, vous allez devoir vous rendre dans le PlayStation Store. Une fois dans le PlayStation Store, allez dans la barre de recherche et tapez WW2 pour rechercher World War 2 et prendre le premier comme moi, pré-order game. Une fois arrivé ici, vous vous occupez pas du prix et tout. Ce qu'il faut faire, c'est descendre en bas et aller, voilà, donc sur ici, Access Beta.
Donc pour ma part, moi ça va me mettre un message d'erreur tout simplement parce que j'ai déjà ce contenu. Et voilà, donc moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous laisse sur ces images. Je vous dis tous bon game sur le nouveau Call of Duty et ciao tout le monde.